Mon Dieu, c'est horrible! Madame Kremler! Oh là là! Oh là là! Un homme, là-haut! Chez la morte! Il y a un homme! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ne bougez pas! Mais lâchez-moi! Qu'est-ce que vous me voulez? Tenez-le bien! On va l'emmener à la police! Je suis désolée, excusez-moi. Je vous comprends, Madame Lohmann, c'est bien naturel. Voulez-vous une tasse de café? Merci, non. Il y a forcément une erreur, quelque part. Impossible qu'il ait poussé son ami par la fenêtre. C'est un gentil garçon, il n'aurait jamais fait une telle chose. Jamais. Il aimait cette femme, je sais qu'il l'aimait. À part moi, c'était la seule personne à qui il faisait encore confiance. Ce sont des chocolats, il adore ça. Des cigarettes et aussi quelques fruits. S'il vous plaît, maître, surtout dites-lui bien de garder l'espoir et que sa grand-mère est totalement convaincue de son innocence. Oui, je n'y manquerai pas. Le taxi est là. Merci, Helga. Au revoir, Madame Lohmann. Il faut que vous aidiez mon petit-fils. Je ferai tout ce que je pourrai. Pour ce qui est de vos honoraires, il me reste des économies. On parlera de ça ultérieurement. Pour l'instant, je dois d'abord savoir exactement comment ça s'est passé. Vous comprenez? Oui. Au revoir et à bientôt. Je vous remercie, au revoir. Je vous en prie. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre... Où ils en sont? 1-0 pour le Bayern, je m'en doutais. Au cours de la seconde, aucune action notable n'est à signaler. Le Bayern joue la défense apparemment plus soucieux de préserver son avantage que de l'améliorer. Mais attention, l'ailier droit vient de se démarquer, il s'est retrouvé de face à tête. Je suis innocent, j'ai pas besoin d'un avocat. Tenez, Oliver, votre grand-mère m'a chargé de vous remettre ceci. Vous voulez l'ouvrir? Non, plus tard. Gardien, laissez-nous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Frank. Bonjour. Votre grand-mère tient à ce que vous sachiez qu'elle est absolument convaincue de votre innocence. Bon, alors maintenant dites-moi tout. Quel est le point de vue du commissaire? Le commissaire. Pour lui, c'est une affaire réglée. La police ne se donne même plus la peine de continuer l'enquête. Tellement mon cas est évident. Leurs yeux, c'est l'acte désespéré d'un toxico. Solange m'aurait refusé l'argent et en voulant lui forcer la main, je l'aurais poussé par la fenêtre. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et dans la réalité, comment ça s'est passé exactement? C'était pour lui emprunter de l'argent que j'étais venu chez elle. Alors je suis monté et j'ai trouvé la porte entrouverte. J'ai pensé qu'elle m'avait vu arriver de là-haut et qu'elle avait déjà ouvert sa porte. Alors je suis entré, j'ai regardé partout, mais elle n'était pas chez elle. Et j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte.
J'ai jeté un coup d'œil dans la rue. Il y avait pas mal de gens en bas. Et j'ai vu son cadavre sur le toit d'une voiture. J'ai pensé tout de suite qu'il s'agissait d'un accident. Pourquoi aurait-elle appelé au secours s'il s'était agi d'un accident? Mais comment voulez-vous que je le sache? Continuez. Et bien ensuite... Ensuite, j'étais sous le choc. Mais j'avais pas oublié pourquoi j'étais venu. Selon, je gardais souvent de l'argent dans le secrétaire. Alors je l'ai pris. Et comme elle était morte, elle n'en avait plus besoin. Oui, mais malheureusement, ce vol joue en votre défaveur. C'est que j'étais en manque depuis des jours. Et alors, je ne me contrôlais plus. En prison, vous arrivez à tenir le coup? Je préfère ne pas en parler. Comme vous voudrez. Vous vouliez vous enfuir? Non, je voulais pas m'enfuir. Je voulais seulement descendre et voir si elle était vraiment morte. Mais cet abruti de concierge était là et il s'est jeté sur moi. Alors j'ai remonté l'escalier à toute vitesse et je suis tombé sur le voisin qui m'a arrêté. Mais pourquoi vous êtes-vous débattu? J'étais paniqué, j'ai brusquement réalisé que ces gens-là me prenaient pour un assassin. Monsieur Loman, est-ce qu'il vous arrivait de vous disputer avec Solange? Ça m'arrivait, oui. Elle avait des sautes d'humeur et un sale caractère. Parfois, elle me renvoyait carrément quand elle voulait rester seule. Et sa porte m'était interdite quand l'envie lui prenait de rester seule. C'était pas de la méchanceté. Elle était comme ça. Mais vous savez, c'était une femme intelligente, unique en son genre. Particulièrement généreuse. Si j'ai bien compris, vous l'aimiez beaucoup. Et plus encore que vous pouvez l'imaginer. Dire qu'on croit que c'est moi qui l'ai tué. Ça arrive que moi, ces trucs-là. Monsieur Hans Kramke? Hans, Joachim, Friedrich. Vous êtes de la police? Deux, trois petites questions, simple routine. Vous
la connaissiez bien, Madame Kremler ? C'est à peine si elle me disait bonjour. Une pimbèche qui se croyait sortie de la cuisse de Jupiter. Bon, ça tournait pas rond là-dessous. Elle écoutait de la musique classique en picolant. Un jour, elle était assise sur le bord de la fenêtre. Un air lugubre, je vous dis pas. Les cheveux dans tous les sens. Et elle avait son chat sur les genoux. Et à mon avis, il était mort, le chat. Elle recevait des visites, elle avait des amis. Laissez-moi réfléchir, que je me souvienne. Ah oui, ça me revient maintenant. Il y a un jeune qui lui rend des visites, parfois. Pas de cheveux, une petite barbe, un nez long, mais une tête de souris. Les yeux bleus, je crois. Mais dites-moi, c'est lui, l'assassin, non ? À moins que la police ait encore des doutes. C'est lui, c'est Oliver Lohmann qui l'a poussé par la fenêtre. Pas vrai ? Il nie l'évidence ? Et la roulette, ça tourne en ce moment ? Mal. Je suis dans une période de poisse. On devrait l'interdire aux joueurs. Quoi, la roulette ? Non, la poisse. Maître Franck ? Oui, j'écoute. Monsieur Bartaszewski souhaiterait vous parler ? Je ne connais pas. C'est le frère de Madame Kremler. Ah bon ? Un instant. Bonjour, Maître Franck. Bonjour, Maître. Comme on vous l'a dit, je suis le frère de Solange Kremler. Je peux faire quelque chose pour vous ? Oui. Je viens juste de rentrer de Suisse et on m'a annoncé la nouvelle. Je me doutais que ça arriverait. Elle exagérait dans tout ce qu'elle faisait. Entrez, nous serons mieux pour parler. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Allez-y, je vous écoute. C'est vous, l'avocat de Oliver Lohmann. Je suis presque sûr que votre client est innocent du crime dont on l'accuse. Ah ah. Et peut-être soupçonnez-vous quelqu'un d'autre ? En effet, j'ai pensé à Ingo Kremler. Il s'agit du mari, de l'ex-mari de ma sœur. Je n'en ai pas la preuve formelle. Mais un indice qui semble important, j'ai trouvé ceci en cherchant dans le courrier de ma sœur. J'avais pensé la remettre à la police. Et puis, à la réflexion, j'ai pensé que les enquêteurs ne la jugeraient pas à sa juste valeur, étant donné que le meurtrier est déjà connu à leurs yeux. Intéressant. Kremler aurait donc menacé votre sœur. En privé, sa conduite est différente de celle qu'il a avec ses autres patients. Kremler avait été évidemment interrogé par la police, mais jusqu'à présent, elle n'avait aucune raison valable de le suspecter. En tout cas, vous avez bien fait de passer me voir, Monsieur Bartaszewski. Merci de votre accueil. Et s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Je n'y manquerai pas. Au revoir, monsieur. Oui, effectivement. Un garçon dégénéré. Et toxicomane, d'après le commissaire. Il nie fermement. Sans doute, mais il était sur les lieux du crime. Il reconnaît avoir volé l'argent dans le secrétaire, mais dénie toute participation au meurtre. Cet argent représentait la pension alimentaire que je versais régulièrement à Solange. Pour guérir certaines maladies psychosomatiques, il convient de faire revivre les événements qui les ont provoquées.
C'est un traitement dont le processus est parfois douloureux, mais pourtant indispensable. Mmh. Monsieur Kremler, où étiez-vous jeudi dernier entre 5 et 6 heures? Je comprends bien entendu que vous soyez soucieux de balayer les accusations qui pèsent sur votre client, pourtant, je trouve votre question un peu cavalière. Néanmoins, je vous serais reconnaissant d'y répondre. Mais il y a de cela une semaine. Ah oui, vous avez de la chance. Marion, dites à Petra de venir, je vous prie. Tout de suite. Merci. Puis-je vous poser une question personnelle? Je ne suis là qu'en tant qu'avocat. J'ai eu de nombreux avocats dans ma clientèle. La plupart d'entre eux étaient incapables de se souvenir de la dernière fois où ils avaient pleuré. Ingo? Bonjour. Bonjour. Et Petra, comment vous sentez-vous? Vaseuse. Molle. Coulante comme le sable. Petra, vous souvenez-vous de l'endroit où vous étiez jeudi dernier? Et avec qui? Dans l'après-midi, j'étais avec vous. En séance habituelle de relaxation. À quelle heure exactement? De 5 à 6. Comme toujours le jeudi. Pourquoi? Je vous l'expliquerai plus tard. Retournez vous allonger et passez à la séquence suivante. Ce qui maintient le mental en équilibre, c'est l'énergie interne, l'essentiel, la quintessence. J'aimerais vous écouter plus longtemps, monsieur Kremler, mais j'ai beaucoup à faire, hélas. À bientôt. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ton chien? Il a sûrement besoin d'une âme sœur. Y a pas que toi, tu sais. La solitude, ça existe. Alors? En ce qui concerne Kremler, il dirige ce qu'on pourrait appeler un centre de rencontre psychologique qui marche bien. Il a 52 ans, son divorce d'avec Solange remonte à 2 ans. Avant de se lancer dans la psychologie, il était vétérinaire. Dis-moi, quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Hein? Je te demande quand tu as pleuré pour la dernière fois. Au moment où j'ai reçu mes impôts, pourquoi? Cette fois, c'est le docteur Kremler qui va te faire pleurer. Mais rassure-toi, tu seras grassement payé pour ça. Depuis ces derniers temps, j'ai l'épouvantable impression d'être incapable de regarder la vie avec objectivité. Pourquoi? Je suis trop endurci, sans doute. Je n'ai pas versé une larme depuis mon enfance. Mon père disait toujours, en me donnant des baffes, « Quand on est un jeune Allemand, on ne pleure pas !» Que ressentez-vous? La rage qui monte en moi, j'en ai jusque-là! Une envie de tout casser que je ne maîtrise plus. Et ça, pour ma copine, ça devenait intolérable. Alors bien sûr, elle m'a plaqué. Ce qui fait qu'en permanence, j'ai un sentiment d'infériorité. Pour tout vous dire, je sais plus où j'en suis. Venez avec moi, Joseph. Merci. Suivez-moi. Prévenez le docteur que nous montons. Parfois, quand j'appelle le serveur et qu'il fait semblant de ne pas m'entendre, ça me donne des envies de meurtre. Au point que ça m'effraie. Et lorsque je choisis une banane dans la corbeille, c'est toujours la plus grosse que je prends. Rien que pour ça, je me déteste. Je peux plus supporter de vivre cette existence en retrait des autres. Ce que je voudrais, c'est... Au niveau physique, avez-vous des problèmes? Non, aucun. Pas encore. Votre corps ne sait pas rire. Savez-vous apprécier le bruit apaisant des mains qui se frottent? Faites-en l'expérience. Vous entendez les vibrations? Ça chante.
Quand on sait ouvrir son oreille interne, on peut entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Vous avez de la chance. Une place vient justement de se libérer. Je vous remercie. Ça me rassure que vous puissiez traiter mon cas. Marion, vous habillerez Joseph. Et ensuite, au numéro 4. Suivez-moi, Joseph. Merci. Le pantalon, maintenant. S'il vous plaît. La montre. Mais si je veux savoir l'heure qu'il est ? Oh, vous savez, le temps. C'était très bien. Sur la réalité de ma vie sentimentale. Vous ressentez la même chose? J'ai encore des problèmes avec mes glandes lacrymales. C'est grave, les glandes. Pas dans mon cas. D'après le docteur, c'est normal qu'elles soient sèches. Parce que j'ai eu une enfance malheureuse. La Rouquine, là-bas, c'est la petite amie du docteur? Oh non, non. Des relations illégitimes au niveau de la thérapie, elle la détruirait. Ah. J'ai cru comprendre que le docteur était marié. Divorcé. Il est divorcé. Soyez détendu, Joseph. Vous savez, son ex-femme était venue ici à l'institution il y a quelques semaines, totalement ivre. Elle est intervenue en pleine séance, en insultant tous les patients et en tournant en dérision la thérapie psychosomatique de notre docteur. Alors bien sûr, il l'a sortie de la pièce et n'empêche qu'il y a quelques jours à peine, elle est revenue. Et à la suite d'une dispute assez sévère, elle a essayé de le pousser du balcon où il était assis. C'est tout juste s'il a eu le temps de s'accrocher à la rambarde. Comment il a réagi après ? Comment ça ? Vous voulez savoir s'il a porté plainte ? Non, certainement pas, c'est pas son genre. Jamais Ingo ne ferait une chose pareille. Et pourtant, c'était une tentative de meurtre. Vous croyez en l'utilité de la police pour soigner des névrosés? Kremler n'est plus jamais revenu depuis. Oh, grâce au ciel. Non. S'il vous plaît, Jürgen, allons travailler. Vous avez besoin d'une reprise en main. C'est vrai. Bon alors, je peux savoir où on en est? Est-ce qu'on va me libérer? Vous savez bien que je suis innocent. Vous savez bien que je ne l'ai pas poussé par la fenêtre. Calmez-vous, monsieur Lohmann. Tenez. De la part de votre grand-mère. Merci. La pauvre, elle n'a plus personne maintenant pour s'occuper d'elle. Elle va bien, je lui ai rendu une petite visite hier. Elle vous demande de faire preuve de courage et elle est toujours absolument convaincue de votre innocence. Ben heureusement. À part ça, vous avez du nouveau? Nous avons découvert un indice prometteur, mais il va falloir vous armer encore d'un peu de patience. La patience, la patience. C'est vite dit, j'arrive au bout de ma patience. Je vais me tuer si je reste enfermé ici.
vous sentez-vous ? Oh, complètement vidé. C'est toujours comme ça avant l'amélioration. À demain. Oui, à demain. À demain, Mike. À demain. Stubib, c'est un escroc et un charlatan. Certaines de ces allégations semblaient pourtant plausibles. Peut-être que Solange avait de nouveau tenté de le pousser dans le vide, mais de sa fenêtre cette fois. Dans ce cas-là, on peut perdre son sang-froid et rendre la monnaie de la pièce. Kremler a un alibi. D'accord, rien ne dit qu'il soit vrai, mais s'il est faux, ça signifierait que Petra Volkov est au courant. Tu la crois capable de couvrir un meurtrier ? Ça n'est pas exclu. Kremler, à ses yeux, représente l'autorité. Elle se trouve de ce fait entièrement soumise à son influence. Et elle ignore peut-être qu'il s'agit d'un meurtre. À tout hasard, je vais prendre la température de cette personne. Encore une question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? Ça doit faire environ un an ces jours-ci. Ah ? Et c'était un gros chagrin ? Énorme. C'était épouvantable. Je venais d'acheter une mobilette toute neuve et le premier jour, j'ai crevé. Oh, t'aurais dû m'appeler, j'ai des rustines. Bonsoir, je voudrais parler à Madame Volkov. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonsoir, je m'appelle Franck. Très heureux. Pourrais-je parler à votre femme ? Vous êtes également inscrit au cours de peinture avec elle ? Tout à fait. Section huile. Jamais de peinture à l'eau ? Ça m'arrive, mais pour me détendre. Ma femme est en haut, elle travaille dans son atelier. Conduisez, monsieur. Je vous remercie. C'est ici. Merci. Bonjour, Madame Volkov. Franck, vous vous souvenez peut-être de moi ? Oui, ça va de soi. Franck. En ce moment, je travaille les yeux fermés. Je reste debout, les pieds plantés au sol. Et sous la voûte plantaire, je sens les forces de la terre qui viennent du fond des âges, du noyau central. J'en capte l'énergie primitive. Je la diffuse au travers de mes mains et ainsi, j'ai la faculté de matérialiser mes images intérieures en représentation visible. C'est absolument passionnant, mais je suis maître, Franck. Nous nous sommes croisés au centre pour les rencontres psychologiques. Oh mon Dieu, pas un mot à mon mari surtout, il ne doit rien savoir. J'assure la défense de Oliver Lohmann. Ah oui, et qui est-ce ? Vous ne le connaissez pas ? Je devrais ? Je pensais que Monsieur Kremler vous en avait parlé. De quoi ? Vous ignorez qu'on a poussé l'ex-femme du docteur par la fenêtre de son appartement ? C'était pourtant dans tous les journaux. Je n'ai pas eu l'occasion de lire un journal depuis quelque temps. Vous dites qu'elle a été poussée ? Mais par qui, grand Dieu ? La police accuse mon client. Mais j'ai de bonnes raisons de penser que le docteur pourrait être impliqué dans cette affaire. Ingo ! Impensable ! Vous plaisantez, voyons. Est-ce que vous connaissiez son ex-femme ? Mon Dieu, oui. Je l'ai aperçue plusieurs fois quand elle venait lui faire une scène de ménage. Elle était très affectée par le divorce. Elle avait mal accepté cette décision.
Et très sincèrement, elle m'inspirait de la pitié. Son ex-mari n'en éprouvait pas tellement pour elle. Peut-être. Mais il ne jetterait personne au travers d'une fenêtre. C'est impossible. Ingo est un monsieur très apprécié, et à juste titre. C'est quand même grâce à votre déclaration qu'il dispose d'un alibi. Ce détail ne vous a sûrement pas échappé. Non. Mais c'est la vérité. Je me rends au centre tous les jeudis après-midi de 5 à 6 pour y suivre ma thérapie. Ingo me met sous hypnose totale. C'est, selon lui, une mesure d'appoint pour décompresser. Madame Volkov, savez-vous que du centre jusqu'au domicile de son ex-femme, ça demande en voiture maximum 5 minutes? Oh mon Dieu. Ingo, vous pourriez venir? Maître Frank est ici. J'arrive. Vous connaissez le dernier ouvrage du docteur? À la recherche du moi. Ah, c'est intéressant. Beaucoup de nos patients l'ont apprécié. Mmh. Vous lisez mon livre? Ça me fait plaisir. Bonjour, monsieur Kremler. Je vous ai apporté moi aussi un peu de lecture. Allons dans mon bureau, si vous voulez bien. Oui. Rayer de la carte, laisser tomber. Non, je n'ai jamais dit ça. Ces mots ne sont pas dans mon vocabulaire. Faites-moi l'honneur de me croire. Pourquoi avoir caché que Solange avait déjà tenté de vous pousser du haut de la terrasse? Ça faisait partie de ses névroses. Une fois, elle s'était même entaillée le front d'une tempe à l'autre au moyen d'une lame de rasoir. Elle prétendait que ça facilitait la sortie des pensées. Je ne suis guère surpris que son frère essaie de m'imputer la responsabilité du drame. Cet homme a toujours pensé que c'était moi la cause initiale de la dérive mentale de sa sœur. D'entrée de jeu, il était contre moi. Oui, mais pourquoi cette aversion? Parce qu'il était amoureux de sa petite sœur. Cette évidence m'a sauté aux yeux dès la première fois que je les ai vus ensemble. Néanmoins, vous n'en avez rien dit à la police. Comment expliquez-vous cela, docteur Kremler? Parce qu'elle ne m'avait rien demandé. Mais elle tenait son assassin. Sur le plan intellectuel ou humaniste, vous serait-il indifférent de savoir qu'un innocent se trouve emprisonné à cause de vous? C'est à moi que vous osez le demander? Vous savez, question de routine. Puisque vous partez, comme cadeau d'adieu, permettez-moi de vous offrir cet ouvrage. Cadeau d'adieu? Non, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Je vous l'offre quand même. C'est vraiment très aimable à vous. Au revoir, docteur. Ingo. Parlons un peu d'un certain jeudi, quand j'étais sous hypnose. En as-tu profité pour aller voir ton ex-femme? Mais pourquoi dis-tu ça? Ingo, je ne saurais plus dire en mon âme et conscience si tu es resté tout le temps avec moi ce jeudi-là. Tu as été interrogé par cet avocat? Pourquoi m'avoir caché que ton ex-femme avait été assassinée et qu'on l'avait poussée par la fenêtre? Parce que je voulais t'épargner un choc inutile et que cette nouvelle aurait été préjudiciable à ta thérapie et qu'en outre ceci ne regarde absolument personne ici. Ingo, est-ce que c'est toi, oui ou non, qui l'a poussé par la fenêtre? Alors toi aussi, tu doutes de moi? Tu la haïssais. Haïr? Je n'ai jamais su haïr. Et aimer? Tu n'as jamais su aimer. Me crois-tu capable de tuer? Tu vois, tout d'un coup, étrangement, je ne sais plus qui tu es. Viens. Change-toi et viens t'allonger. Je n'en ai plus envie. C'est fini. C'est formidable. Si tu as décidé d'arrêter dès à présent, ça signifie que tu es parvenu à l'essentiel, à la quintessence. Et que tu es guéri. Je ne suis pas guéri. Je sais maintenant que je n'ai jamais été malade.
Marion va me remplacer. C'est noté. Thank you.
mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. 18, 21, 29. 22. 22. Rien ne va plus. 23. 23. Le 15, noir, impair et mort. Et le 15. Messieurs, 1000 marques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000. Pour 3000 sur le plein. 3000 par 35 qui font 105 000, soit un total de 113 000. Voici, monsieur. Personnel. Merci, monsieur. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Rien ne va plus. Le 11 noir, impair et mort. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Rien ne va plus. Rien ne va plus, s'il vous plaît. Rien ne va plus. Le 13, noir, impair et mort. Cinq plaques de mille. S'il vous plaît, faites vos choses. Bah, c'est pas trop tôt. Qui est-ce? Allez, ne me fais pas languir. Le type là-bas au centre. Hans Kramke. C'est une voisin de Solange. Le 9. D'accord, et après, quel rapport? Rien ne va plus. Fais travailler tes méninges. Rien ne va plus. Tu veux dire que Kremler leur est chargé de défenestrer son ex-femme? Tout juste. Bonsoir, monsieur Kramke. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis surveillé par la police maintenant? C'est interdit de jouer à la roulette. Ça dépend de la provenance de l'argent qu'on mise. Et on la connaît. C'est vraiment une jolie ville, Wiesbaden. Propre, bien entretenue. Vous m'arrêtez ou quoi? Nous ne sommes pas de la police. Mais nous attirons votre attention sur le fait que vous risquez d'être accusé de meurtre. Mais pas si vite, pourquoi de meurtre? C'est pas moi qui l'ai poussé par la fenêtre. Ah non? Pourquoi vous a-t-il donné cet argent alors? Je le faisais chanter. Essayez de trouver mieux. C'est un peu court comme excuse devant un tribunal. Mais c'est vrai. Quoi, le chantage ou l'assassinat? C'est Kremler qui l'a tué. Eh bien, racontez-nous votre version en détail. On a tout notre temps. Le réservoir est plein. Quand j'ai entendu la femme hurler, je suis venu tout de suite dans le couloir et j'ai vu Kremler qui sortait de chez elle au même moment. Il s'apprêtait à descendre, mais il a entendu du bruit, alors il est parti se cacher dans le grenier. Et le gars qui montait, c'était votre client, Oliver Lohmann. Il est entré dans l'appartement. Ensuite, j'ai entendu des gens crier, s'agiter dans la rue. Alors, j'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu la femme sur le toit d'une voiture. Elle bougeait plus. Il y a eu du raffus sur le palier. J'ai donné un coup de main au concierge et à nous deux, on a arrêté Oliver. J'ai tout de suite compris que tout le monde le prendrait pour l'assassin. Bah voyons, ça coulait de source. Ça ne vous a pas gêné qu'un type soit condamné pour un meurtre dont il était innocent? J'étais au bout du rouleau. Et je le suis toujours. La faillite. C'était une occasion unique. Et j'ai pensé qu'un type comme lui aurait des circonstances atténuantes. Et les grands tours, il serait forcément désintoxiqué. Pensez charitable, mais vous pouvez prouver ce que vous racontez? Oui, je peux le prouver. C'est moi, M. Kremler. Que voulez-vous encore? Vous êtes
étions convenus de 20 000 marques en tout et pour tout. Oui, mais malheureusement, je les ai perdus à la roulette. À la roulette? Ça, c'est votre affaire. Que voulez-vous que j'y fasse? Je vais vous le dire, on se retrouve comme l'autre fois au Lobster. Et vous m'apportez 10 000. Il n'en est pas question. En refusant, vous allez m'obliger à prévenir les autorités. Et vous serez condamné pour chantage. Je prends le risque, monsieur Kremler. Attendez. Oui? Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, d'accord. Mais c'est la dernière fois. Entendu. Parole d'honneur. N'utilisez pas des mots dont vous ignorez le sens. Je vous retrouve dans une demi-heure. Très bien, monsieur Kremler. Alors, vous êtes convaincu maintenant? Vous avez des dons de psychologue. Pour un maître chanteur. Et qu'est-ce que je deviens à présent? On va examiner la question. Je vous en prie. Montez à l'avant. Secondes, bravo. Mais c'était la dernière course avant ton séjour au trou. Alors je vous demande une bière. Un demi. Il m'amène un blanc. Mais qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à ma place? C'est de fourrure. Alors, je lui ai balancé son verre sur le plastron et ma droite direct sur le taraboui. À toi de jouer. Ah, je suis désolé, monsieur Kremler, mais si je suis en retard, c'est parce que je suis tombé sur des copains en route. Vous êtes là depuis longtemps? C'est la dernière fois. Si jamais j'entends encore parler de vous, je vous préviens que... Je vous pousserai par la fenêtre. Joseph, qu'est-ce que vous faites ici? Je m'efforce de résoudre un autre cas de conscience, Ingo. Bonne chance, alors. Et bonsoir. Bonsoir, monsieur Kremler. Comment allez-vous? Je vous l'avais bien dit que nous étions appelés à nous revoir. Cher maître Franck, c'est toujours un immense plaisir de vous voir. Oui, bon, d'accord. Je reconnais que j'étais chez Solange à l'heure du crime. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ah non? Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Solange m'avait demandé au téléphone de venir la voir d'urgence. Elle avait dit que c'était une question de vie ou de mort. J'ai laissé Madame Volkov sous hypnose et je suis parti immédiatement. À peine arrivé, elle s'est mise à m'insulter. Enfin, et puis ensuite, elle a demandé que j'ouvre la fenêtre. Elle prétendait avoir trop chaud. Et brusquement, sans aucune raison, elle s'est mise à hurler et à appeler au secours, tout en faisant semblant d'avoir à se défendre contre moi. Ensuite, elle s'est jetée dans le vide. J'ai voulu regarder en bas, mais il m'est venu à l'esprit que j'allais sans doute passer pour son assassin. Et que d'ailleurs, c'était sûrement le projet qu'elle avait nourri. Et maintenant, comment espérez-vous prouver votre innocence à la police? Vous êtes en état d'arrestation. Ce n'était pas un meurtre. Simplement un suicide. Emmenez-le. Je vous remercie, maître Franck. Bien entendu, votre client sera remis en liberté demain matin. Joseph? Kramke? Allez, on se dépêche. Thank you.
savais que tu étais incapable de faire une chose pareille. Eh bien, au revoir, madame. Merci. Mille fois merci. Sans vous, mon petit-fils aurait été perdu. Viens. Tu penses, l'avocat? À la même chose que toi, sans aucun doute. Plus je repense à la thèse de Kremler, et plus je constate que ses déclarations sont absolument plausibles et crédibles à mes yeux. C'est vrai qu'elles ont un relent de vérité. Un relent de vérité, comme tu dis, oui. Tu sais, Joseph, c'est vrai qu'on a réussi à sortir un innocent du fond du trou, mais si ça se trouve, on en a envoyé un autre à sa place. Je vois mal Kremler prouver son innocence, il est mal parti. C'est là où tu vas avoir un petit problème. Et toi aussi. Je vous remercie, monsieur le procureur. Oui, je vous tiens au courant. C'est très intéressant. À l'autopsie, il est clairement apparu que Solange avait une cirrhose du foie en phase critique. Il lui restait tout juste 3 mois à vivre, au maximum. Depuis le début, j'avais des doutes sur la valeur de cette lettre. Allez, viens, Joseph, on a du boulot. Non, tu restes là, toi. Bonsoir, monsieur Bartoszewski. Maître Franck. Lui-même. Comment allez-vous? On fait aller. Je vous remercie. Je n'avais plus de vos nouvelles. Vous étiez encore en voyage? Oui. Une semaine en Autriche. Et comment va votre client? Mal. Très, très mal. Mal? Mais pourquoi ça? Il n'a donc pas été libéré? Non. Malheureusement pas. Quand la police tient son coupable, elle abandonne les recherches. C'est monsieur Matula, un de mes proches collaborateurs, monsieur Bartoszewski. De plus, Loman a tout avoué. Avoué? Mais pourquoi a-t-il avoué? De ce fait, il encourt une peine de 10 ans de prison. 10 ans, tant que ça? Non, non, c'est... Non, ça c'est impossible. Ça serait... Mais... Et Kremler? Où est-il, ce Kremler? Il officie toujours au centre psychologique. On ne pouvait rien prouver contre lui. D'autant qu'il a un solide alibi. Et la lettre que vous m'avez fort aimablement remise n'a hélas rien pu changer à la réalité des faits. Kremler. Ce charlatan. Mais que va devenir Oliver? Il faut absolument faire quelque chose. Oliver Loman n'a pas souhaité que je continue d'assurer sa défense. Monsieur Bartoszewski, nous devons partir, un de ces jours peut-être. Au revoir. Non, ne partez pas, messieurs. Non, c'est impossible. Je ne peux pas tolérer ça. J'en suis incapable. Ce serait trop dur pour moi. Dites-nous ce qui serait trop dur pour vous. Je vous l'ai déjà expliqué. Oliver est innocent. Je ne comprends pas pourquoi il a avoué. Il n'y est pour rien, ce garçon. Ce n'est pas lui qui a acheté ma sœur par la fenêtre. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Vous vous trouviez chez elle. Quand Oliver est arrivé, vous vous trouviez chez elle. Non, je n'y étais pas. Je vous ai déjà dit que j'étais en Suisse. Mais je suis au courant de tout. Personne n'a poussé Solange par la fenêtre. Ce pseudo-meurtre était un coup monté. C'est elle-même qui vous en avait parlé? Oui. C'était son dernier acte, comme elle disait. Sa dernière sortie. Quand Kremler a ouvert le centre, il y a 2 ans, brusquement, Dieu sait pourquoi, il a décidé de divorcer et ma sœur ne s'en était jamais remise. Elle avait commencé à boire. Et quand elle a appris plus tard qu'elle était condamnée,
Elle a pensé qu'il valait mieux pour elle en finir. Elle ne voulait pas agoniser dans un mouroir d'hôpital. Son mari avait brisé sa vie. Alors, elle trouvait juste de détruire la sienne. Alors elle m'a écrit cette lettre, pour que plus tard il soit accusé. Vengeance posthume par le suicide. Je n'étais pas certain qu'elle serait capable d'aller jusqu'au bout. Je croyais que c'était encore une de ces macabres mises en scène. Et cette fois, elle nous a joué vraiment son dernier acte. Venez, monsieur Bartoszewski. Ma valise. Je vais la chercher.